Homosexuality is one of the sins that is most annoying to God because it transforms man from his dominating and loving position described in the book of Genesis chapter 1 verse 26 into a beast that does not have a rational thinking. God created man and woman in his image so that they can know each other in a legal marital bond and procreate in order to reveal his glory. But demonic agents have abused this natural order for their selfish aims, but there is judgment. This demonic act becomes even more painful when it involves the underaged. You're from where? Yeah. These things are easy. No, I'm from Panama. Eh? No, I'm from Panama. Tu es un homosexuel. Oui. Ça c'est qui? Maman venue. Qu'est-ce que tu as constaté sur cet enfant? Donc, il est vieux parmi moi. Hein? C'est cette année que j'ai récupéré. Il vivait avec le père. Oui. Donc je ne savais pas ce que l'enfant faisait là-bas. Il est donc arrivé ici là. Pendant les vacances, l'enfant de ma petite soeur est venu. Il a cherché à faire l'amour avec ma petite soeur. Lui, quand est-ce qu'il a fait l'amour avec l'enfant? Oui, quand est-ce qu'il a fait l'enfant? L'enfant de petite soeur était un garçon ou un fille? Un garçon, un petit garçon de 7 ans. Un petit garçon de 7 ans? Oui. Oui. Bon, quand l'enfant m'a dit, je lui ai tapé, je lui ai renvoyé chez ma grande soeur, c'est la grande fille pécale. Donc, le dernier là, donc tu ne pouvais pas croire que ce qu'il dit là est vrai. Mais quand l'enfant m'a dit, moi je ne savais pas parce qu'il ne vivait pas avec moi. Voilà, c'est ce que j'ai dit que tu ne pouvais même pas imaginer. C'est voilà. Là où les petites soeurs ont dit que même là où il vivait, c'est comme ça qu'il faisait là-bas sur les enfants des gens. Donc je lui ai envoyé chez ma grande soeur. Moi je me disais que comme je lui ai tapé là, il devait changer. Dernièrement, c'était dimanche, il est venu étant malade. Il m'a dit qu'il a le permis, je lui ai acheté les médicaments, il a bu. Maintenant, je suis parti dans la soirée aux environs de 21 heures, je me suis couché. Il a traversé dans sur moi, son petit frère était couché derrière moi. Il est venu maintenant, j'ai compris seulement comment le lit s'écouait. Je me suis sauté avec la lumière éclairée partout dans la maison. Attends, vous étiez couché où? Au lit. Au lit dans la chambre. Dans la chambre. Il a donc traversé sur moi pour venir là, pratiquer ça sur son petit frère. Donc tu étais couché dans la chambre avec son petit frère. Son petit frère était derrière le lit. Il a aussi 7 ans. Combien? 7 ans. Il a 7 ans d'âge. Lui, il est venu te traverser quand tu couchais, tu dormais. Tu étais dans le plein sommeil. Tu ne connaissais pas. Donc lui, il est venu te traverser sur le lit, aller derrière. Sur son petit frère. Commencer à faire le sexe avec lui. L'enfant dormait. L'enfant, quand je me suis sauté, je me suis mis à lui taper. Même l'enfant s'est levé, il m'a demandé, maman, c'est quoi? Il dit, laisse, va te coucher, tu dors. Il n'est même pas. Je ne voulais même pas que l'enfant sache ce qui s'est passé. Oh. Bon, qu'est-ce qui donc te pousse à faire ça? Parle-moi de toi. Je ne sais pas. Tu as déjà fait ça à combien de gens? Tu fais ça, tu as quel âge? 21 ans. Tu as 21 ans. Tu fais ça aux grandes personnes ou aux enfants? Ça dépend même aux grandes personnes. Hein? Même aux grandes personnes. Tu as déjà fait ça combien de grandes personnes et quel âge? 18 ans. Tu as déjà fait ça aux gens qui sont 18 ans. Tu fais ça comment? Au début, on met dans une cassette. Je ne veux pas comprendre ça. Tu mets une cassette pour nous. Quand elle dormait, tu es venu mettre une cassette pour nous. Ah ok, tu dis comment ça a commencé? Oui. Vas-y. Au début quand je voyais ça, et ça m'excitait beaucoup. C'est là que j'ai commencé à pratiquer ça. C'est comme ça que tu as commencé à pratiquer. Qui t'avait donné les idées? Je voyais ça, elle avait une raison derrière moi. Les idées de pédé. Hein? De homosexuel. Oui. Hein? Tu as commencé à faire quoi? Pratiquer cela même avec lui. Même avec le gars.
C'est lui qui était ta femme ou tu étais sa femme? C'est lui. C'est lui. Donc tu étais son mari. Hein? Oui. Partout là où tu passes, qui est ta femme? Ou tu es les femmes des gens, ou tu es les gens là qui sont ta femme? Ah. Qui travaille l'autre? C'est eux. C'est eux qui te disent ça. Eux comment? Attends, hein. On est fait face à deux groupes de personnes. Ceux qui ne connaissent pas l'homosexualité, et c'est toi qui leur amène à connaître ça, non? Et les autres qui connaissent déjà, non? Quand tu vois ceux qui connaissent déjà, qu'est-ce qui se passe? Vous vous connaissez comment? Oui, les manières d'agir là, c'est comment? Au début, on s'assoit et on s'asseye ensemble. Puis on commence à se faire aussi. Non. Tu ne dis pas les détails, je ne prie pas pour toi. C'est ça que je dis. Voilà, attends d'abord. Tu marches en route, tu es assis dans un lieu public. Comment tu vas connaître que voilà un homosexuel? C'est quand je m'asseye à côté de lui. Lui aussi, il a le téléphone. Il a le téléphone. Oui. Et il a enregistré le film porno là-dedans. Il a enregistré le film porno dedans. Oui. S'il n'a pas le téléphone. Sa manière même de marcher, on connaît déjà. Hein? Sa manière de marcher, je connais déjà. Sa manière de marcher, tu connais déjà. Oui. Hein? Oui. Marche comme il marche, je vois.
Merci Seigneur Jésus.